Allez, on dit au revoir à papa, à Victor. Au revoir papa. Nous on va à l'IFU. Qu'est-ce qu'on lui dit? Travaille bien. Et Victor? Et Victor, il nous regarde. Ah oui, il est là-bas, Victor. Regarde ta fille, Victor. Oui. Ciao, Victor. Il regarde pas. Travaille bien, toi aussi. Allez. Au revoir, Nouméa. On va aller dire bonjour à l'IFU. Allez, puce. Les nénettes. Allez, on va s'asseoir. Ciao. Bon, alors j'ai pas filmé avant parce que j'ai passé mon temps à vomir dans le bateau. Donc, faut pas rigoler, hein. On se moque pas. En plus, on est arrivé, il y avait des trombes d'eau. Alors voilà, je reprends la caméra. On est tous installés, on attend pour faire la coutume. Voilà. Soleil qui ressort. Ça, c'est le faré où on va manger. On attend que le riz soit cuit, bien décoré. Et tu fais ça pour quoi, Louise, alors tu ramollis pour? Pour ça, on fait les cuisines. Ah, voilà. Ça, pour la cuisine. Les marmites, comme ils disent. Voilà, pour ce soir. Et là-bas, c'est pour le bougna de demain. Les feuilles de bananier. Je vais vous aider à éplucher. Coupe les lamelles pour après pour presser. Un bougna à la marmite. Comme il fait mauvais temps, on fait pas dans le four canac. Alors, poisson, banane, igname. Il y a super mamie qui décore le faré. Non, ouais. Eh ben ça y est. Ma fille, elle se lance dans la décoration. Tu arrives, Emma? Oui. Ça se sépare bien? T'as compris ce qu'il fallait enlever et ce qu'il fallait garder? Bien. Ben. De ce côté-là, c'est la préparation du riz. C'est Louise qui s'en occupe. Bon, qu'il soit bon, hein.
Cette fois-ci, c'est Lola. Elle fait des gaufres aux feuilles. Alors lâche voir, on regarde le résultat. Ah, ça fait gaufrer. Regarde celle-ci. Comme ça. Ça fait oui. Ça fait des gaufres. Comme quand on fait dans les cheveux. Regarde. Elle prépare les ignames pour demain. Bon, ben, on n'a vraiment pas de chance. C'est le déluge. Voilà. Il pleut des trombes d'eau. Il y a toutes les tribus qui vont arriver. Je ne sais même pas comment on va faire. On n'arrivait pas à sortir de la case pour aller chercher nos affaires. Dans la tombe, et là, il y a des éléments. Si les filles vont l'amener là, à la porte des filles, si tu as fait ce qu'il y a, à toi, à toi, c'est une affaire là. Parce que la paille en fait, c'est là où on a mal. On est au plus. C'est les ignames qui ont cuit dans les feuilles de bananier. C'est le boulot. Incroyable. Beaucoup de préparation. Alors les invités sont arrivés, la coutume est finie, donc tout le monde est invité pour le petit déjeuner. Donc chacun prend son lait ou son café ou son thé, et donc c'est accompagné de manioc grillé, de poulet, d'igname. Voilà, c'est un petit déjeuner salé sucré. Attends. Amedila ka problem ni sa foto. Lui foto ka o pele. Sa
Waouh. Et oui, un panier pour poser les fruits. Dis donc, c'est bien des artistes, hein. Avec les palmes de cocotier. Ouais, même les enfants, ils sont dans la préparation. T'en as un de pamplemousse, là, entier, hein? Qu'on voit la taille? Est-ce que tu en as un entier de pamplemousse? Non? Ouais, c'est celui-là. C'est immense. Et là, c'est que la moitié, hein? Ah, voilà les corbeilles. Ne m'a pas rappelé. Ah oui, oh là là. Super. Nos fruits. Nos fruits. Elle super. Filme. Super, super. Voilà. Ce que j'espère qu'on va voir au soleil demain. Là, c'est presque la tombée de la nuit. La journée s'est bien passée. Et on va dormir dans une autre case qui est pas loin de la plage. Donc Louise, elle nous a arrêtés sur cette plage-là. Oh. J'espère que demain, on la verra au soleil. Le défilé de toutes les tribus. Ils passent juste devant chez Louise. Chaque tribu a son drapeau et ils font le défilé. Ah ben tu vois. Maman, un drapeau. Ouais. On marche avec eux? Non. Attends. Ouais. Après, on rentre pas? Eh ben, ça représente du monde, hein, quand même. Maman, mais il est... Ils vont tous à l'église. Rassemblement devant l'église. Il va avoir mal au bras, hein? Mais ils sont plus vieux, parce que ça change. Trop petite, donc ils ont construit un immense phare. Ils rentrent tous s'installer à l'intérieur pour la prière, pour la messe. Ouais, tout l'ifou ça, tout l'ifou est là. Thank you.
ils sont nombreux dans le fleuve. On vient d'apprendre qu'il y a environ 2000 personnes et c'est les 32 tribus de l'Ifou qui sont rassemblées. Alors on profite du soleil. Louise et sa tantine viennent de nous amener. C'est les falaises de Rodé. Alors ça s'écrit Xodé, mais on dit Rodé. Plage. On est chez une cousine à Louise. Elle habite devant une baie où c'est qu'il y a beaucoup de tortues. Alors on va voir, des fois qu'on ait de la chance. Elle dit que hier il y en avait plein. Maman, là il y a toujours des tortues. Oui, dans ce bassin. Oui, mais là, ils les ont relâchés, tu vois. Ça fait varier à maman. Là. C'est dans ce bassin-là. Oui. Voilà. Ils récupèrent les tortues. Mais il n'y a que le grand chef qui a le droit de les manger. Mais là, ils les ont relâchés. Pourquoi ? Alors, il faut surveiller. Hier, elle dit qu'il y en avait plein, là, tu vois. C'est une pirogue ? Oui. T'as vu, Mar, la pirogue? Ouais, dis donc. Chouette, hein? Oh là là, je vois tout blanc. Je sais pas ce que je filme, mais bon. Tant pis, on verra bien. Là, on est chez de la famille à Louise. Maman, peut-être si je vais lancer. Ils organisent du camping ici. Justement, elle dit qu'elle est en train de tout nettoyer pour accueillir les touristes. Il doit y avoir moyen de camper par là. Bon, on aimerait voir une tortue. Alors, la plage de Wengani. On l'a vu hier, mais c'était sombre. On revient aujourd'hui, en espérant que le soleil sorte un peu plus.
parce que c'est encore couvert. De temps en temps, le soleil perce, mais pas beaucoup. On a rempli un bocal de sable blanc. Mais bon, elle n'est pas si chaude que ça, hein? Elle n'est pas si chaude que ça. Allez-y, toutes les deux par le cou. Oh, Pio! Pio, toutes les deux par le cou, là, de mon côté. Oh. Allez, prenez-la. Non, mais vous pendez à son cou. Alors, on est toujours sur la même plage, mais un peu plus loin. Ça, c'est le fameux rocher de la pub. En plus, on est marée basse. Voilà. On le voit ce rocher sur les publicités. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Hein. Ouais. Joli comme tout, hein. Magnifique. Kilomètres de sable fin, blanc surtout. Et ça pose pour les photos, ça pose. Bon ben voilà, à Lifou ce qu'on rencontre sur la route, une vache avec son veau. J'ai la voiture arrêtée, je peux plus avancer. Regarde, mais... J'ai peur qu'elle me charge la bagnole. Elle traîne son merdier derrière elle, là. Mais écoute, tu crois qu'il s'est sauvé, il s'est détaché, là. Mais oui, c'est ce que je te dis. Bon, ben, on va aller chercher le paysan. De Pâques est terminée. Donc ils chantent et ils fêtent ceux qui vont repartir dans leur tribu. Paysage qu'on voit de la route. Là, on est à Josip. La plage Chateaubriand. Thank you.
niveau des falaises de Zoking. Là, là. Magnifique. Alors là, il y a une case magnifique. Alors on rentre pas parce que c'est la chefferie de la tribu de Zoking. C'est le grand chef qui est là. Et la case, elle est magnifique. Des jolis totems à l'entrée. C'est superbe. Bon ben. Un joli site, très très chouette. Bravo Louise, merci d'avoir fait visiter ça. On est sur le chemin du retour, on est de nouveau à Hué et c'est marée basse. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Tu vois Emma? Les îlots. Ouais. Et puis on voit des petits bancs de sable. Et là-bas on voit que. Là, il y a du vent, les planches à voile, elles s'éclatent. Hein? Ouais. La balade est finie. Et heureusement, parce qu'il pleut. On est de retour à la tribu. Et tout le monde joue au bingo. Pour s'occuper. Chez nous, ça s'appelle l'auto. Ici, c'est bingo. 78-77 pour les 7. Zidane, Adèle. 68, 74, 74, Apo 40, 40, 19, 48, 36, 34. 34, 71, 89, 25. Alors on a passé 4 jours ici et là on est sur le point de départ et on découvre les pamplemousses dans l'arbre. On n'avait pas vu, c'est Emma qui a remarqué. On n'avait pas fait attention. Voilà les pamplemousses ici. On dirait des ballons de foot. Pendus à un arbre. Louise qui nous ramène des pieds de banane pour la maison. Sympa. Ouais. Oui, deux pieds. Oui, c'est bon. Merci.
en a que deux. Ben voilà, on est sur le point du départ. Tout s'est très bien passé malgré le mauvais temps. Le faré est en train d'être démonté. Voilà, il ne le garde pas, c'était que pour la fête. Alors on en profite pour remercier la tribu Wiwatul et tout particulièrement la famille Aloïse. On a été bien accueillis et c'était bien formidable. Voilà, à bientôt Lifou. Et ben voilà, Betty Cho est là. On va partir avec presque 2 heures de retard. On devrait arriver à Nouméa à 9h du soir, en pleine nuit. C'est magnifique. Voilà. En espérant que ça se passe mieux qu'à l'aller. On est bien chargé. On en ramène des affaires de Lifou. Voilà, voilà. J'espère qu'on ne sera pas malade.